Twitch, ouais. Et YouTube, j'en ai une aussi. Mais YouTube, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Du coup, bah, il faudra que je remette un peu. Ça, là. Je fais de belles miniatures, moi, donc c'est pour ça que je vais en reprendre un peu. Moi, si on fait le secret, je le mettrai sur ma chaîne. Voilà. Heure 5, c'est pas mal quand même. C'est pas dégueulasse. Qu'il arrive. Ouais, bah ben ouais. Ah ouais. Ça va, tu t'es chauffé. Bah putain, on a pas eu du temps lui. Moi je l'ai débloqué. Ah ouais, bien sûr. C'est cool! On dévasté la demeure d'Alistair! Que Dieu m'en soit témoin! Je ne leur permettrai pas de nous faire la même chose! On va essayer de faire le plus de choses possible dans le match possible, ce serait cool. Est-ce qu'il y a la pièce là? C'est pas là. Elle est pas. Ah non plus. Ça doit être une... L'artefact. Mes mains tremblent. Mon cœur bondit dans ma poitrine. Pour la première fois depuis des années, je me sens comme un soldat. Ouais. Ce couteau était un cadeau de départ à la retraite. C'est bon de se remettre à l'œuvre. Tu les vois où du coup tes symboles? Attends, je les cherche là mais... Ouais, attends. Juste que tu me montres où c'est, comme ça au moins je le saurai. À une époque, ça aurait été le truc le plus bizarre que j'ai jamais vu. Cette époque, c'était... Ah oui, d'accord. Attends, okay. Cette maison a de nombreux secrets. C'est une soirée riche en révélations. D'accord. Donc en fait, c'est ce bruit-là que je me posais comme question. En fait. Je me suis dit, mais les gens qui font avec un bruit, ça, c'est quoi en fait? Ça a l'air utile. Je vais devoir trouver un forgeron. Ouais, je l'ai pas eu. Bah, j'étais trop préoccupé par rien dans vous. J'ai toujours adoré cette pièce. Elle ressemble à un musée. Bien sûr, là, Alistair a un passé difficile. Ah, voyez ce cristal. Alistair n'aurait pas caché qu'il était pas important. Quelque chose me dit que c'est plus que du simple charbon. J'ai passé ces 10 dernières années à craindre l'inévitable. La lente agonie dans un lit comme celui-ci. Ah moi j'ai le pompon. C'est le cadet de mes soucis maintenant. Un jour, j'ai combattu un groupe de guerriers Apaches pendant 3 jours sans fermer l'œil. On peut y arriver. Il faut juste garder notre sang-froid. J'étais à Rock's Drift quand les Zoulous nous ont assaillis. J'ai l'impression de revivre ce moment. J'espère qu'il n'y a pas de sorciers vaudous. Ah oui, c'est ça. Ben on l'avait fait sans glissage. Enfin, on a fait glissage, mais... On prenait quand même des dégâts, avec le... Ça me rappelle une histoire formidable. Oh, il est trop mort pour écouter. Vas-y, vas-y. Je vais faire le reste. Ah, vas-y. Parce que moi, de mon côté, je peux faire la suite.
Quoi que nous fassions ici, faisons-le vite. Cette pièce a tout du piège mortel. Pour la même occasion, je vous fais la pièce ici. Pas là, pas là. Une corde de plus à mon arc, si je puis dire. Point doublé. Bah j'ai hésité à le mettre, tu vois. J'ai hésité à le mettre, mais c'est le petit match. Ok. Mais quel lieu avec les serpents là? C'est Odin, je crois. La pièce du boubou là, tu l'as prise? Ouais, tu l'as prise. Ouais. Oh, t'inquiète, je connais, ouais. Habituellement, je n'aime pas beaucoup les uniformes, mais vous n'êtes pas la première. J'arrivais à tout faire, même le pistolet amélioré. Vous allez foutre mon chapeau, c'est ça. Je m'y prenais bien. Mais... On a un visiteur. Oh la pute! Je vous dirige comme un mouton. J'avais pas capté les bleus. C'était sur moi les salauds. Non. C'est ça qui casse les couilles, c'est que ça. Debout, vieux! C'est pas le moment de traînasser! Oh, formidable! Je me sens beaucoup mieux! D'ailleurs, je suis mort, donc ça veut dire que le fantôme. Ouais. Mort instantané. Pas du tout. James Dix. Un ivrogne qui battait sa femme. Il a eu ce qu'il méritait. Il doit y avoir un moyen de passer. C'est peut-être notre seule issue. Abondance de biens ne nuit pas. Ça c'est fait, donc on a deux. Il manque que à récupérer celui à Odin, c'est un pire. C'est pas les mêmes d'un métier à l'autre. Bah le bon, dernier du coup. C'est plus fait... pratique que de rester toujours dos au mur. Et à Odin. Au cours du siège de Lady Smith, nous avions installé un dispensaire dans une salle de billard. Nous faisions tout sur les tables. Opération. Je crois que c'est 1500. Amputation. J'en ai encore des frissons. J'ai passé bien des soirées agréables ici avec Alistair. Mais où est-il à présent? Ok, Z vert, donc X bleu, Z jaune et Z vert. Du coup, il manque que celui de. Ouais, j'ai vu Z jaune. Ouais, c'est vraiment ça. Garde le zombie. Tu veux le gun, dis-le. Non, ça me complète ma gueule. Je le chopperai dans ma boîte au pire. Je te le laisse et je le chopperai dans ma boîte. Je reconnais ce pistolet. Il appelait la folie d'Alistair. La folie, ce serait de se placer devant le canon. Non, non c'est pas ça. Non, donc c'était X rouge. Qui je dois payer pour pouvoir sortir de cet endroit?
Il était jaune et c'était Z vert. Ok, et l'autre c'était quoi? Non, le dernier en bleu, je tente une combinaison. Non, c'est pas ça. Et en bleu c'est quoi? Qu'est-ce que je peux tenter? Z du coup. Non, c'est pas Z. Putain, c'est lequel alors? Ça doit être A alors. Ça doit être... Ouais. Donc du coup c'est X rouge, B jaune, Z vert. Et on va tenter le A. Ouais, c'est A. Ouais, c'est A, c'est bon. Nice. Tu peux le récupérer. C'est toujours mieux que rien. Ok, ça c'est bon. Bon en argent, ouais. Faut aller récupérer les trucs, ouais. J'ai récupéré les pièces argentées à la serre, j'ai recherché les cristaux dorés là. Sortez-moi un peu là-bas. J'ai 1005, j'ai 1002. Je devrais utiliser ce sceptre de rat plus souvent. Ok, tout ça. La vie et la mort, la guérison et l'assassinat, tout cela dans un seul objet. Charpentier. Dites-moi, Alistair, que cultivez-vous dans votre serre? Oh. Comme tout le monde, un télescope, quelques expériences scientifiques, un piège électrique mortel. Ils sont vraiment répugnants. Je pensais que tu serais mieux une fois mort, mais non, tu es toujours aussi laid. Un pygmé suceur de sang. Il n'y a donc aucune limite au monstre que nous devons affronter. De quoi? Tu veux, je vais faire le loup-garou comme ça. Diapason, donc c'est ok. Je sais pas, on va voir. Non, je pense pas. Un loup-garou. Une saloperie de loup-garou. Voilà, ça résume bien la soirée. T'inquiète, non mais je vais pas le shooter hein. Généralement c'est moi qui me le fais solo, je pense que... Bah, tu peux le flinguer hein, j'ai des objets. Hein. Théoriquement oui. Elle est où la boîte? Attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais balancer un outil d'assimilation avec un cadeau. Ah ouais, mais je suis con. Je crois que j'ai trouvé mon quartier maître. J'ai l'impression d'être immense quand je tiens ça.
Ça, c'est une arme d'homme. Ouais, un monstre sanguinaire. Allons nous présenter aux ghouls, tu veux bien? Ôtez cette paluche de moi. De quoi? Bah, j'ai oublié de mettre le cadeau en fait. Améliorer le flingue déjà. Ça, c'est le seul truc que je connais pas. Le pieu, c'est le seul truc que je sais pas. Vous n'avez pas l'impression qu'on aurait mieux fait de ne pas s'aventurer ici? Attends, non, je vois pas ce que tu me dis. Hein. Ah oui, je vois un... Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, je vois les symboles sur les armes. Mais il y en a combien d'armes? Il y en a 3? Ah oui, je le vois, celui au fond, ok, d'accord. Et c'est lequel le bon ordre? C'est celui du... Ça commence à la lanterne? Non, c'est... Ok. Ok. C'est le troisième de gauche à droite. Ouais, c'est celui qui est tout au fond. Non, c'est haut, c'est un triangle vers le haut. Non, non, je me trompe pas, t'inquiète, je te cite le truc. Le deuxième, c'est un triangle vers le bas barré. Un triangle vers le bas tout court. Et au bord. Ouais, parce que ouais, j'avais entendu parler que si on se chie une fois, c'était foutu. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Faudrait que je tape des boîtes en fait, pour faire bouger la boîte et pour avoir des ventilations. Alistair tenait beaucoup à cette armure. J'ai pas volé la boîte. Bien qu'il ne m'ait jamais dit pourquoi. Elle est où cette pute? Elle est là. C'est un peu comme emporter un obusier pour un combat au couteau. Vas-y. Ce n'est pas idéal pour le combat rapproché. C'est même la pire des armes dans ce cas. Bon, non, c'est bon. Non, j'ai pas de balles en argent. Bah après j'arrive à me défendre, hein, y'a pas de soucis, t'inquiète. De toute façon, dans tous les cas, faudra avoir le flingue et le rocket pour le sauter, c'est ça. Ah ouais. Ah, je prendrai une AK. Et... Ah, il les faut maintenant. Est-ce que tu peux les avoir gratuits sur l'arme que j'ai là? Ouais, attends,
On a rien sans rien. Ah, moi j'ai soit le pompe, soit le bandit, donc le bleu, ouais, qu'est-ce que tu veux savoir avec le bleu? Tu peux pas. Ça fait quoi? Ouah, c'est quoi ce logo? Ah, c'est du bois, ouais. Sur des plans, là, envers. Barré dans tous les sens, avec une sorte de médaille. Ouais. Ça, je connais pas. Je savais même pas qu'on pouvait re-regarder dessus une fois que je l'avais fait. C'est quoi, c'était le bleu que tu voulais que je regarde et l'autre c'était quoi? Du coup, faut quoi? Il faut une arme classique et... Qu'est-ce qui est plus indispensable? C'est que j'ai le gun ou que j'ai le rocket? Au final, vu que j'ai pas trop d'armes, t'as dit qu'il faut des armes en argent, t'as des balles en argent. Ouais, rocket et pistolet, du coup. Bah, au pire, tu me dis... Ah bon? Ok. Bah vas-y, utilise un cadeau du coup. Ah mais y'a pas de soucis, t'inquiète. Moi si, ça va aller. C'est bon. Braderie! Me voilà de retour dans la brigade des fusiliers. Ouais, mais t'inquiète. J'aurais pu vaincre les Zoulous à moi tout seul avec cette arme. Pourquoi ces armes semblent toujours sorties tout droit d'un roman de H.G. Wells? Là, on parle la même langue, la boîte. Ces fusils manquent d'ornement. Mais c'est leur puissance qui fait leur beauté. Ok, je vais faire. Ah, il a la tête d'un bulldog qui aurait mangé une guêpe. Ok, j'ai le flingue. Cette arme est si décadente. C'est comme du beurre sur du bacon. Moi, ça me plaît bien. Je peux peut-être les convaincre de se mettre non, en ligne pour les abattre le tous d'un coup. Ah, j'ai failli avoir le recul. Non. Enfin, j'ai un snipe. Ni trop gros, ni trop petit. C'est le fusil de boucle d'or. C'est quoi le taux de change? Ah.
Ok, c'est bon. Ventre cinglé, pas assez d'argent. Là, je pensais pas la passer. Il y aura le gun. Ouais, faire ça comme ça c'est fait. Faudrait faire la suite comme ça au moins ça va plus vite. Qu'est-ce qu'il faudrait du coup? Faudrait faire la ville déjà. Une soirée à travailler de mes mains, j'ai de la chatte à me faire des amis et à combattre le mal. C'est assez agréable. Moi j'en ai un sur moi. Ça c'est vraiment le truc qui est vraiment trop chiant. Bah tiens, fais-le sur celui-là, je l'ai. Vas-y, fais-le sur lui. J'ai pas la pièce. Je connais la plupart des invités. C'était déjà des bons à rien empotés avant leur transformation. J'espère que vous savez utiliser cette arme, jeune homme. Et j'espère que votre arme est aussi acérée que votre langue, papy. Ouais, ouais, mais ça, je sais. Ah, la pièce est là, je crois. C'est indigne de ma position. Tout comme la consommation de viande de cheval lors du siège de Lady Smith. Et pourtant. Il veut pas crever ? Putain, il était en train de creuser. Voilà une autre pièce de l'arme d'Alistair. Mort instantané. On se casse de là. Je sais pas, je sais pas. Tu voulais que je prenne le couteau de chasse, c'est ça? Si c'est ma dernière soirée, je veux au moins tomber au champ de l'heure. Cowboy, puis-je profiter de votre flasque? On écrasera le grain ensemble dans une minute. Je pensais que vous me le demanderiez plus tôt. J'étais champion d'escrime à l'université. Ouais. Vous en doutez sûrement. Je sais pas quoi qui se lève là. Munitions au max. Ah ouais? Je sais pas quand. Bon. Hé hey, les abrutis! Venez donc bronzer un peu! Attends, je recharge. Je tire au même endroit que toi, hein. C'est un emplacement étrange pour un lampadaire. Point bonus. Ah,
Merde. Ça c'est le dernier. C'est la fin du mangeur d'hommes. Je garde le zombie. Hein. Ah ouais? Bah putain, j'ai le truc qui est le plus dur du début. En fait. Bon, on peut pas lui en vouloir d'avoir lâché le monde. Quoi? M quoi? J'ai cru qu'on n'arriverait jamais à résoudre ce truc. Et on met un coup dessus. D'accord. Bah au pire, pour le compteur, dès que tu dis trop, on tape en même temps. Sur le déco là. Ah oui, c'est vrai. Ok.
On dirait le couloir qui mène les bêtes à l'abattoir. Ça a pas marché? Je me disais, la soirée qui nous a mis ici, c'était un piège en fait. J'en ai l'impression. On nous a monté le verre en fleurs. Alistair Rhodes qui n'accueille pas ses propres invités. J'ai fait sauter le caisson sans bavure. Ouais. Par ici, les hurleurs. Premier arrivé, premier servi. Bah, ils m'ont pété le boubou, c'est une blague. Ce n'est pas encore aujourd'hui que je serai vaincu par tes semblables. Gros tas de dégueulis putréfiés. Par hasard, le bruit se pète. Non! Ça, c'est sur le truc du middle que tu mets le coup du bouclier. Ouais, ouais. Idéal contre la pluie et les morsures de démons. Bah, attends, t'es hyper. Moi, je vais aller faire le vampire là. C'est bon? J'ai des parents enterrés ici. J'espère ne pas les croiser ce soir. Le décalage qu'il y a entre le moment où tu parles au micro et le moment où on exécute aussi, forcément de la latence, donc faut. Ouais, mais c'est bon, je venais de capter en fait ce que je voulais faire. Au début, j'avais pas compris, il m'a dit passe dans le piège, reviens, on monte là-haut, mais moi j'étais allé trop loin. Bah ouais, j'étais allé un peu trop loin. J'avais peur en fait que ça me flingue en fait, c'est pour ça. Faut passer qu'une seule fois et pas deux fois. Qu'est-ce que c'est? Le roi des vampires? Je ferai des boutons de manchette avec ces crocs. Voilà, tu vas mettre tout le monde d'accord. Mieux vaut mort que rouge, comme je le dis toujours. Non, mais je vais dire ça. Ouais, pas le choix. Je peux pas m'empêcher de me demander si Monsieur Rhodes nous a invités pour conserve de chair à pâté, ou si les invitations étaient fausses. Alistair a toujours été particulier, mais ce n'est pas un assassin. Je crains que ses ennemis ne soient derrière tout cela. C'est une arme plutôt ingénieuse, si j'ose dire. Charpentier. Truc du bouclier là. C'est bon, j'ai beau bouclier à fond cette fois. Ok. Parfois, faut mettre les mains dans le cambouis. Ouais.
Un jour, j'ai vu une vache frappée par la foudre. C'est la même chose, mais en plus choquant. Ouais. Quelle petite saleté. Je n'ai jamais aimé la pleine lune. Elle complique les manœuvres nocturnes. Bon, qui a invité les responsables des latrines à la soirée? Attention! La grande puanteur de 1858 est de retour. Ah, j'ai utilisé un cadeau. On dirait un bon signe de balai avec une pointe d'urine 2000. Ouais. Regardez ce que j'ai trouvé. Formidable. Je vais t'appeler l'annihilateur d'Alistair. J'espère que j'ai bien suivi les instructions. J'ai utilisé toutes les tables de confection. J'avais jamais fait ça avant. Attends, l'arme, je l'ai déjà fait dessus. Ah oui, d'accord. Par rapport au pieu. En fait, c'est que dans la maison. Ouais. Sur quoi? Sur le fantôme? Ah oui, d'accord. Elle est là. Faut que j'aille à la tombe et que je fasse X. Là? Pourquoi est-il écrit que je meurs en 1912? J'ai encore quelques années devant moi. Que dis-je? Quelques décennies. J'ai déjà vu ça dans les documents d'Alistair. Les druides l'appellent un homme d'osier. On y fait mourir des malheureux pour que les autres prospèrent. J'ai toujours pensé que je mourrais au combat, mais je m'en contenterai. Okay. Le paradis me rejette et l'enfer me craint. Et le fantôme, il est que à l'intérieur de la maison. Que suis-je? Un esprit? Un miasme spectral? Un fantôme? Il semblerait que je sois invisible maintenant. Moi je te vois. Attends, vivant, du moins. Je suis pas loin de toi. Vas-y. Ouais. Je te vois. Ouais. Il est vraiment voyant. Ah oui, c'est vrai que je pense ça. Je vais pas le faire dans la phrase. Un certain moment. Okay. Ce brave homme m'a même mentionné dans son testament. J'ai eu cet impact sur de nombreuses personnes. Où étiez-vous en 62, général? Aviez-vous l'âge de vivre une femme? Étiez-vous prêt à la prison de l'État, bonjour? Ouais. Je me demande juste si vous avez... Les amis, je veux pas me voir. Ah, si, il me touche.
C'est l'occasion pour vous de retrouver vos amis. Mais rassurez-vous, ce sont bien vos amis. Les hordes d'Hadès n'ont pu m'empêcher de terminer ce combat. Je vais devoir inventer une médaille. Il n'en existe pas pour un haut fait de ce genre. Ouais. C'est quoi la truc qui est tombée là-bas? Ouais, d'accord, c'est deux bombes. Ouais, je garde les bombes. J'en avais un aussi, je l'ai fermé. J'en ai deux là, sur mon côté. Ouais, pas de soucis. Ouais. Que j'ai le film. Alors maintenant, on prend des selles magiques. Cette nuit est de plus en plus étrange. Ouais, putain. Juste que j'ai des atouts, ça sera bon. Ouais, celui qui est en bas. Et au piège qui est là, là au début, là, là tout du début, je peux quand même y aller. Attendons un peu que ça fasse effet. Pas le sang bleu. Oh, c'est vraiment quelque chose. Ah merde, j'ai pas assez pour celui-là. Non. Cimetière, ouais, j'y vais. Tout ça. Ouais, c'est le middle là. Ah non. Non, c'est pas celui-là, c'est celui au fond qui sont. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Au nom de Saint-Georges, partez anéantir les démons. La maîtresse absolue de toutes les armes. C'est pas qu'un punch. Où sur la droite? Exactement. Ok. Pas de problème, je vais les flinguer. Ouais, j'arrive, j'arrive.
ça c'est la meilleure. Ces sales racailles bleues renforcent les autres. Et l'affaire est dans le sac. C'est le seul combat qui me manquait. Eh, général. Du coup, j'ai qui ces ennemis, monsieur Rhodes, dont t'as parlé. Alistair m'a dit un jour qu'il avait fréquenté une société secrète. J'ai pensé qu'il faisait référence aux femmes de petite vertu. Mais en gros, j'ai beaucoup d'énergie dans le monde. Les vampires ne cessent d'arriver. Là, il avance, je crois. Je ne vais pas me laisser tripoter par une racaille. On a un petit pourquoi je dis des dégâts? Point doublé. Déjà deux blessures, ça rentre. Rien de tel qu'un loup de 3 mètres pour mettre ses compétences en combat à l'épreuve. Que quelqu'un appelle le taxidermiste. Il va faire une crise cardiaque. Tu veux changer d'arme, c'est ça? Ah oui, c'est vrai. Non, j'ai pris, donc je prends ça, ça. Ouais, j'en ai un tout. Je vais prendre celui à Odin. C'est pas grave si on améliore pas nos armes, genre déjà au pack à bench. Je me sens forme et prêt au combat. Amenez-moi mon cheval. Non, on n'a pas besoin 4005, de chevaux. 3005, je crois. Attends. Non, j'ai des conneries, 3005, ouais.
C'est 4000 Non, non, j'ai une connerie. Bon, sprint, c'est 2000. Allez. C'est exactement le genre de remontant qu'il me fallait. Bah en vrai en soi attends. De toute façon j'ai fait le baisser là tout. Non ça a déjà été fait. Je sais pas, je regarde. Pas grave en vrai. Ça va le faire. Ça tout là il était fait ça. Il était fait. On devrait engager des ouvriers pour faire cela à notre place, non? Bah c'est bon. Bah ça va, 17h. On fait pas 17 quand tu utilises le truc. Bah au pire attends, toi tu vas là, moi je vais pas de côté. Ouais, mais je sais que ça va le faire. Vas-y. Braderie. Putain, je viens de me faire 4-7. Cette arme semble redoutable, mais bon sens qu'elle peut être hideuse. C'est un fusil rabougri ou un pistolet gonflé? Au moins, j'aurais eu un aperçu des armes du futur ce soir. Il donne le mosu, quoi, le mosu. Ça marche, à tout à l'heure. Oui, ça va. Juste qu'on passe fail le boss quoi. Par contre j'ai une envie de pisser, c'est affreux. Aspé, ouais, je l'ai. Donc il est gelé. Il doit être juste 2 secondes. Merci gros, c'est cool. C'est bon. Ça craint pas si on n'a pas le rocket. Ah, il est pas full dit. Le joueur quoi, un peu plus de la moitié. Mon speed le.
et épouser ce flingue. Désolé, mesdames. Encore des petites pourritures aux oreilles pointues. Voilà les chiens de guerre. Encore un satané loup-garou. C'est une maison ou un chenille ici. Eh ben, j'ai réussi à en choper un. Un marcheur à la porte. Général de brigade Jonathan Warwick. Fleur de loup. Qu'est-ce qui est gros, velu et consomme la moitié d'un stock de munitions. C'est facile. Bien marre ici, mon gros. Le général de brigade va t'apprendre à hurler. C'est un gibier digne de ce nom. J'ai besoin d'un verre. Étrange. On sent la puissance humaine. Munition au max. Ouais, c'est j'ai remarqué là. Tant qu'on a des munes. De sang court comme des dindes en colère. C'est une image qui reste en tête. Ouais. Repose en pièce. Cabot. Non, la vérité, je trouve pas. J'ai cru qu'il fallait faire dans un timing. Ils sont venus nous envoyer 6 pieds sous terre. Cette expression de surprise totale n'a pas de salut. Oh! Ah bah on peut faire ça t'apprendra à venir me rendre.
Non, je pourrais passer ma vie à tirer avec ce truc. Espèce de crapule. Ou je crois que j'ai fait sauter une agrafe de ma gueule. Non, j'ai rien dit. C'est machin. Munition au max. Là, c'est dit. Ouais, je reprends. Ah, mais j'ai pas assez, je crois que c'est 1500, non? Ouais, j'ai bientôt. Je vais faire un truc. Faites de votre mieux, démon. Je suis un roi des gardiens. Ici là, ok. Il vous gagne encore plus. N'arrête pas, de boule. Je pense que le centre est prêt. J'ai l'impression qu'il est plus puissant. Je sais pas si c'est le truc que j'avais déplacé. L'électricité fait fureur de nos jours. Non, je ne pourrai plus jamais oublier cette vision. Je n'aime pas beaucoup l'attitude de celui-là. Il rôde comme un tire-laine de l'East End. Formidable chevalier, fais-en un autre. Ouais, ça va. C'est comme si j'avais regardé le soleil en face. Après les atouts c'est bon. Je vais me caler à la frappe. Je fais des points ici, je sais pas bien. Je ne pense pas, merde. C'est ça con qu'on ne gagne pas de points. Du coup, faut faire quoi? Faut se faire des points pour choper le roquette. Moi, j'ai ça. Roquette, si je l'améliore. Je mettrai les ballons d'argent dessus aussi. Les Roumains ont un nom pour les suceurs de sang. Nosferatu. Ah, je crois que ça veut dire suceurs de sang.
Ouais, bah ouais. Surtout que je suis mort à un moment où il fallait pas, là. Quelqu'un d'autre veut me serrer la main? Pleine puissance! C'est le moment de sortir l'artillerie lourde! Faut-il de le prendre ça? Ah. Point doublé. Au moins, c'était un gibier digne de ce nom. Ah, c'était moi qui avais le dernier. C'était un loup. La première, elle était à la salle à manger. Elle est encore là. C'est pas la taille de l'arme qui compte, c'est son caractère. Bye bye. Suceur de sang, rat volant, vermine ailée. Aucun nom n'est assez vil pour toi, petit maître. On va s'en garder un peu plus pour faire une bataille de vie. On va utiliser des liquidations. Bah, en vrai, ça va, j'ai rien. Je l'ai reconnu. Je n'ai jamais aimé les Neshbots. Charpentier, c'est fini pour toi, misérable créature. Que cela vous serve de leçon, racaille. Non, c'est une blague. Je me suis pas chez moi. Non, ancêtre, je ne peux pas oublier. As-tu appris de nouveaux tours? Munitions au max. Ok, bon, c'est le dernier. Moi j'en ai un, moi. J'en ai un et j'utilise un peu. Ah, tu peux pas faire les deux? Ah ouais! Puis au pire, on le fait, hein, comme ça. Hein. Non. Moi, je sais pas si t'en as un, toi. Elle est au cimetière, je crois. Moi, j'ai vu cimetière. Bah, c'est surtout ça, quoi. Est-ce qu'elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est à la bibliothèque, je crois. Ouais.
c'est bien, on a tous les deux les singes. Donc, genre... On dirait un canon sur une locomotive à vapeur. Allez, Gideon, on n'est pas en train de chasser des bisons. Le prochain qui me touche, il va perdre une main. Présentez, arme. Ça ressemble davantage à une foreuse pneumatique qu'à une arme à feu. Je ne suis pas sûr que le tir de précision soit utile pour ce combat. J'ai l'impression d'avoir saisi l'éclair de Zeus. Je n'y comprends rien, mais je sais que je me suis fait avoir. Ouais, je l'ai. Bye bye. C'est bon, tu l'as tué? Braderie! J'ai l'impression d'être immense quand je tiens ça! Ah, ça, c'est un fusil digne de ce nom. Putain, n'arrête pas la voir. Pas le sang bleu. Ah, j'ai pas le temps. Pourquoi ils disent que cette arme là, genre pour le boss, c'est super. Ouais, apparemment, c'est ce truc là. Ce n'est pas un modèle standard, mais il fera l'affaire. Oh, flûte! Ça ne casse pas trois pattes à un anatidé. Là, on parle la même langue, la boîte. J'aurais pu vaincre les Zoulous à moi tout seul avec cette arme. Il est certainement très puissant, mais lent comme une limace. Cette arme semble redoutable, mais bon sens qu'elle peut être hideuse. Reste à ta place, Ghoul. Fais-t-il les coups. J'utilise liquidation. Bah, tu l'as ton truc ou tu l'as pas? Bah vas-y, activez, je vais utiliser ça. Fusil braderie. Derrière moi, monstre infâme. Restez là où je vous vois. Ni trop gros, ni trop petit. C'est le fusil de boucle d'or. Ce n'est pas un modèle standard, mais il fera l'affaire. Ah, j'étais proche de l'avoir. Quelque
Quelque chose me dit que je vais utiliser tout mon stock de munitions rapidement. Oh, ne faites me mordre la langue. Un ennemi aux dents pointues de plus. Ah, formidable. C'est bruyant, brutal, et ça abat tout ce qui bouge, comme moi. Elle est où la boîte? Ouais, déjà, c'est déjà ça. La boîte, elle est où cette pute de boîte? Je la vois pas. Je la vois pas. Ok, elle est plus en forêt. Il est certainement très puissant, mais lent comme une limace. Par ma barbe, une mitrailleuse maxime portative. Putain de boîte de mort. Bye bye. J'en ai un. Ouais, j'en ai un. Si t'en bois un, tu me le dis direct. Tu... J'aime pas la frappe. C'est la guerre que tu veux? Alors refais ça pour moi. Ok, la boîte, elle est... bah, c'est le dernier loup, alors. Il bouffe des dégâts, là, putain. Il descend dans un truc. Ok, c'est si petit, la boîte. Il est dingue. Il va jamais tomber, tout pute. Faire quelques pompes, parce que c'est un fusil à pompe. C'est ma punition pour avoir chassé les loups dans les Dakills. Putain. Ouais, il va me flinguer. Putain, mais quand même, je sais pas quoi. Oh, vas-y, là. Il y a des filles de part, il y a des filles. Je ne suis pas sûr que le tir de précision soit utile pour ce combat. Mais là, à qui dois-je me plaindre pour obtenir un remboursement? Bye bye. Tu utilises cadeau? Ouais, attends, je le mets. Braderie. Merde, dans votre sens. Labyrinthe de con. Me voilà de retour dans la brigade des fusiliers. Décidez-vous, mes portions.
Doit être sur moi, je pense. Suceur de sang, rat volant, vermine ailé. Aucun nom n'est assez vil pour toi, petite merde. Je ne peux pas manquer ma cible avec un tel fusil. J'ai l'impression d'avoir saisi l'éclair de Zeus. Braderie. C'est pas vous. Putain, c'est chiant. Ce n'est pas la plus sophistiquée des armes, mais je n'essaie pas d'impressionner l'assistance, juste de la mettre en pièces. Au moins, j'aurais eu un aperçu des armes du futur ce soir. C'est un peu comme emporter un obusier pour un combat au couteau. Ouais. Ces fusils manquent d'ornement, mais c'est leur puissance qui fait leur beauté. C'est bon, je l'ai. Régiment royal d'artillerie, au rapport. Qu'elle a la frappe et il utilise le. Bon, l'argent, c'est bon. Je peux pas sur la manche. Ok. Ça marche. Voilà, putain! Là, par contre, si on se tape un blue screen, j'y vais mort. Ça va être mieux, hein, pour le moment, on va s'améliorer et après... Recule ou je te sors les boyaux. Vous autres, vous ne méritez pas le sang du général de brigade. Ouais, c'est possible. Je suis mal branché. Munition au max. Calme-toi là, bon. Bien sûr, ils n'ont
On t'a plus de mine de roquettes. Bah je vais chercher des balles en argent. Ouais, y'a la trappe. Ces hommes se sourient ont des pattes bizarres, les gars. Pas de peu. Pardon, je ne voulais pas te couper. Non. Bah en fait le truc c'est que la frappe que je faisais à deux. Cette expression de surprise totale n'a pas de prix. Point bonus. Après à deux c'est facile. Voilà ce que j'appelle avec un coup de tonnerre du Texas. Et du coup, et après quand il y a le plus de munitions de l'un et de l'autre, oh c'est fantastique. Point doublé. Ouais, jamais le moins. J'ai 60 balles. Ce pygmée putride dévore des ghouls au déjeuner. Bon, ça va, ça va. Éliminez tous, petit monstre. J'accorde une médaille à ce petit sage. Je pensais que tu serais mieux une fois mort. Mais non, tu es toujours aussi laid. Une chose est sûre. J'utilise ma cruciité avec. C'est bon, c'est bon. Cabot. Ah, il est de moitié. Nous entrons dans les entrailles de la bête. Tenez-vous prêts, arme à la main et ouvrez l'œil. Préparez-vous au pire! Un marcheur à la pompe? Un Wendigo? Un fils de putain? Quel que soit le nom qu'on me donne, je vais t'abattre! Je dois garder mes balles de roquette, c'est ça? On va jouer avec. Bon, je reçoiverai ton collègue. Un temple de druides. Lequel de Carrera? C'est bien cela. Bon, au moins, ils étaient britanniques. Apparemment, on a fait sortir le gros gibier. Abattez-le. Boum. Ah 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 ah. Ce tour pour lui m'avait manqué. Vous en faites pas, ça fait partie du spectacle. Je comprends. Les bleus évitent le front, car ce sont les infirmiers.
Oh, c'est quoi ces dégâts que j'ai bouffé là? J'ai bouffé un dégât. Par ma barbe, j'ai l'impression qu'elle est en train de grossir. Si tu meurs de toi. Corps des démons. Oh, formidable. J'ai pas compris que tu retournes. En fait, j'ai même pas vu les mêmes que tu fais. Il y a une tripotée de ces mini-vampires ici. Ah, moi non plus, je déteste. C'est pas ici, saloperie de charogne. Ouais, il y a une autre arrive. Encore un satané loup-garou. C'est une maison ou un chenil ici? C'est moi qui t'avais dit. Oh, ça merde! Je pourrais passer ma vie à tirer avec ce truc. Qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur? Oh, pour le moment, ça va. Ce petit salopard est une machine à tuer. Hey, va pas faire des marches sans mourir. Ah, c'est ma punition pour avoir chassé les loups dans les Black Hills, c'est ça? Non, j'en ai pas. Quartier maître, si vous m'entendez, j'ai besoin de recharger mon arme. Munitions au max. Charpentier. Pourquoi ça craignait? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, parce que sur le coup, tu me dis balle, balle, balle. Moi, je suis dans les balles. C'est parfait, en mon cul. Tu as été créé pour ça! J'accorde une médaille à ce petit sale! J'ai abattu des lions, des éléphants, des buffles, des câbles. Aucun trophée ne m'a fait plus plaisir que celui-ci. Des Indiens plus agressifs et plus rusés que toi. Ça a fini pareil. Oh, survécu au bourg et au Zoulou pour être vaincu par toi et tes copains. On sera bientôt terminé. Bon sang, j'avais raison d'avoir peur de Spook. C'est ça, il a compris. Ça fait faim, là, dedans. Repose en pièces. Que tu aies fait ce soir.
Je partage ta douleur, roi loup. Je l'ai ressenti des années. Mais ce soir, mon cœur s'est emballé et le feu de mes entrailles n'était pas causé par quelque chose que j'ai avalé. C'était quelque chose qui voulait m'avaler. Ouais, j'avoue. Franchement, ouais. On était largement bien équipés pour... Ouais. Bon, après, c'est moi qui l'ai déjà vu. J'en ai vu des trucs bizarres, mais rien d'aussi bizarre que ça. Ouais. Heureusement qu'on compte pas sur tes talents de médium. 100 minutes de stream, je l'avais lancé avant qu'on lance la game. On verra bien à la fin de la partie. Ouais. Bon, où est le bar? Toute cette agitation m'a donné soif. Bah, c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous avez vu? Oh. Quoi encore? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Simplement que vous n'êtes pas digne. Sorcière! Pharaoh! Prétentieux! Ah! Enfoiré! Assurez-vous que notre pensionnaire arrive à destination. Je pense que de l'éther, mon chien est très haut. Où se trouve mon père? Qu'est-ce que vous avez fait d'Alistair Rhodes? Il est bien trop tard. Il n'y a rien à faire. Pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il a la Le destin est en marche. Il a la voix du Shadowman dans le... Où se trouve mon père? Godfrey, parlez-moi! Ouais, bah ouais, ça j'avais pas fait. Merde! Il est dans le Shadowman. Ouais. Ma très chère Scarlett, si je suis déjà tombé aux mains de l'ordre, voici les seules personnes qui ont toute ma confiance pour t'aider à les arrêter. Très bien, papa. Voyons de quoi tes amis sont capables. Mets pas le temps, du coup. Ouais, j'avoue, ça fait comme de la grosse merde. Deux erreurs trop connes. En tout cas, un grand merci quand même de m'avoir aidé parce que. C'était le seul qui me manquait. Oh bah ouais, c'est pas combien de temps du coup? Ouais, 1h43. Ouais bah... 1h43.
ça. Je vais pouvoir couper le live du coup.